Bienvenue à Aubervilliers, on est au studio 217. Généralement, c'est plutôt un studio où on fait de la télévision, mais aujourd'hui, on est pour la présentation du nouvel espace. Bon, évidemment, c'est pas sûr, hein. Celui-là, c'est le tout premier, il a lancé l'histoire de l'espace en 1984. Première génération, venez avec moi. La seconde, en 91. Là, déjà, on arrive sur quelque chose d'un peu plus formé, un peu plus rond. Et moi, celle que j'apprécie tout particulièrement, surtout au niveau du style, c'est la troisième génération, celle de 96. Là, on commençait à avoir des vrais moteurs, dont d'ailleurs quelques-uns qui n'étaient pas forcément super fiables. Et si on arrive sur la quatrième génération, l'allure s'est vraiment affinée. On est sur un TGV, un vrai TGV. Alors, regardez-moi ça, c'est fabuleux. Mais la cinquième génération, il a déjà eu une transformation du style. Là, on arrive sur un SUV. Un SUV pas comme les autres, hein. On garde comme la jolie ligne un peu TGV avec ce pare-brise plongeant qui rêve sur le capot. Mais aujourd'hui, donc, on est sur la génération. Venez, venez, venez. La sixième génération d'espace. Et là, ça n'a plus rien à voir. On est sur un espace qui singe clairement les lignes de l'Austral. C'est devenu un vrai SUV, un grand SUV. Un SUV qui peut accueillir cette personne qui a toujours le train arrière directionnel, qui est une vraie spécialité, et en plus cette génération-là, on a le fameux E-Tech 200 chevaux que l'on a aussi sur les Australes. Et d'ailleurs, certains disent de lui que c'est un grand Austral. Ça, question de goût. Donc, nous voilà devant le Grand Austral. Décidément, j'y arrive pas. C'est pas le Grand Austral, c'est le nouvel espace. C'est pas compliqué, c'était comme le Porcelus, c'est écrit quelque part là. Là, c'est écrit ici, espace. Bon, trêve de plaisanterie. Ce qu'il faut retenir de cet nouvel espace. 4,72 m de long, 7 places avec des strapontins à l'arrière. On va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Mais surtout, le moteur, aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule proposition, c'est le E-Tech 200 chevaux, le full hybride, celui qui conjugue un moteur turbo-essence à deux moteurs électriques et le tout fait 200 chevaux. Mais je vous parlais de l'intérieur, venez, ça va être plus simple sur la maquette. Comme vous pouvez le voir, nous avons trois rangées, rangée 1, rangée 2 et rangée 3. Alors d'après les ingénieurs, trois personnes de 1,80 m peuvent se mettre en enfilade. Pas certain, il faudra le tester. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que nous avons le même intérieur que l'Austral. Donc vous avez des matériaux qualitatifs et surtout le système avec les deux écrans Open Air qui utilise Google. Et ça, c'est très très bien puisque c'est juste le meilleur système multimédia du moment. On se retrouve pour les essais, mais on ne sait pas quand. À tout de suite.